Mesdames, Messieurs, bonjour. J'ai mon papier. Alors, au nom de Chemilly, de son comité de Saint-Vincent et de tous ceux qui ont travaillé à la préparation de cette grande journée, je suis heureux de vous accueillir si nombreux. Dans quelques minutes commencera le banquet. Cette journée et les animations qui ont été préparées pour vous marquent l'ouverture du week-end exceptionnel que nous nous apprêtons à vivre. Comme nos prédécesseurs, après d'intenses réflexions et quelques prises de bec, nous avons dû faire le choix difficile d'abandonner l'idée d'un banquet au village. Les conditions climatiques et le risque d'annulation, le coût exorbitant d'une rotonde et de son installation sont autant de facteurs qui nous ont poussés à vous recevoir dans cette salle avec son confort, son chauffage et ses parkings. Faire le banquet au village, pour moi, c'était partager avec vous l'âme de ces habitants d'aujourd'hui et d'hier. Le délocaliser ici a été difficile pour nous tous. Puis, j'ai compris que l'âme d'un village ne tient pas qu'à ses pierres. Elle est faite des gens qui le peuplent et qui travaillent en son nom. Donc, partager cette journée ici avec nous, c'est un peu comme être à Chemilly. Avant de vous laisser déguster la cuvée et ses amuse-bouches, je dois m'expliquer sur un point. Nous avons refusé d'avoir recours aux navettes. Ça a été une décision unanime de toute l'équipe du comité. L'accident à la sortie du bal de Chiché, ici même l'an dernier, aussi triste soit-il, en a été la raison. Je ne peux pas imaginer la frustration et la tristesse du membre du comité d'organisation Chiché, notamment de sa présidente et de ses deux lieutenants, privés injustement de la fête pour laquelle ils avaient travaillé si dur. Aussi avons-nous fermement décidé de rendre à chacun ses responsabilités en supprimant les navettes. Ceci étant, la cuvée va chauffer, je dois conclure. Je remercie la maison de Préter pour l'élaboration de ce grand banquet. Je remercie les sommeliers pour leurs prestations, la qualité de leur service. D'ailleurs, je les trouve très beaux avec leur tablier. Je remercie surtout la commission banquet pour son excellent travail et pour la qualité de la journée qu'elle nous a préparée. Je vais d'ailleurs appeler Evelyne et lui laisser le soin de présenter les membres de sa commission. Allez, viens vers nous, Evelyne. Venez tous. Banquet, Sandrine, Corentin, Christophe, Hervé et moi-même, que j'ai l'honneur de présider, vous souhaite la bienvenue. Nous sommes très honorés de vous accueillir ici à Auxerre Expo, dans cette salle, un peu controversée quant au débat inéluctable sur la délocalisation de notre Saint-Vincent, fête patronale ô combien importante pour notre vignoble. Nous avons confié à la maison de Préter et sa brigade l'élaboration d'un menu gastronomique qui, nous l'espérons, ravira vos papilles. Quelques-uns parmi nous ont su discerner les saveurs des substances liquides qui vous agrémenteront tout au long du repas, dont la cuvée Saint-Vincent, collectée auprès de nos exploitants, est servie par les sommeliers chablisiens. Les divertissements de cette journée seront assurés par messieurs Dess et Posa pendant le repas. Ils vous présenteront des chansons d'hier et d'aujourd'hui. Suivra un spectacle de cabaret présenté par l'orchestre Rotzeder, qui assurera également le bal de la Saint-Vincent à partir de 20h30. Le décor coloré de vos tables représente les quatre éléments, le feu, la terre, l'eau et l'air, le thème choisi pour cette 48e Saint-Vincent. Je vous souhaite, au nom du comité et de la commission banquet, un bon appétit, une large soif et enfin une excellente journée. Je vous donne rendez-vous demain à Chemilly-sur-Saurat.